Le programme Herbe et Fourrage, c'est un réseau pousse de l'herbe et des fermes pilotes. Alors nous sommes sur une exploitation située dans la vallée du Loir, sur la commune de Trot, au Pont Granger. Fait 185 hectares, un tiers en pâture, deux tiers en céréales. Sur l'exploitation, il y a 185 animaux. Tous les animaux sont finis sur l'exploitation. Alors l'objectif de ce dispositif est bien l'amélioration de la gestion de l'herbe, des pâtures en général. Donc ici, nous avons fait des essais de pâturage tournant sur une superficie totale de 6 hectares qu'on a divisé en 5 parcelles. Les objectifs étaient de premièrement, que les bêtes ne gaspillent moins d'herbe, faucher les refus, puis qu'elles mangent de l'herbe de meilleure qualité. Puis l'herbe avant d'épier, si je pouvais la faucher pour faire du foin ou de l'enrubanage, selon le temps. En moyenne, les animaux restent 10 jours sur chaque parcelle. Puis après, avec la rotation, c'est selon l'herbomètre qui m'aide à gérer la pâture. C'est une réglette pour mesurer la hauteur de l'herbe. Et, ça marque les animaux quand il faut les retirer ou les mettre dans la pâture, tout ça, ou en ciler ou faire du foin. Il y a plusieurs graduations. On peut dire que ça va être un outil d'aide à la décision. Qui nous permet de gérer d'une façon optimale les prairies. La gestion de l'herbe correspond aussi aux phases autant de gestion d'excès de pousse de l'herbe comme de période de sous-production. Et ça, dans un souci de concilier l'autonomie alimentaire et la possibilité de pouvoir gérer au mieux les chargements au niveau de la prairie. Cette année, j'arrivais à récupérer 15 bottes d'enrubanage au printemps. C'est intéressant ce mode de conduite car les animaux ne surpâturent pas la prairie. Ça ne l'abîme pas, quoi. Un bovin croissance, c'est un service rendu donc aux agriculteurs qui comprend des pesées et donc un pointage. Donc la pesée, c'est des pesées régulières, donc environ tous les 3 mois, donc environ 4 pesées par an. Et cela nous sert à avoir des indicateurs fiables pour ainsi mesurer le système, l'efficacité du système alimentaire. Et donc après cela nous permet de revoir les rations suivant le besoin des animaux. Le pointage permet d'avoir une appréciation morphologique des veaux et donc cela permet à l'éleveur de mieux trier ses animaux. Bovin Croissance, c'est un service qui aide l'éleveur au suivi de son troupeau.